victoire. Et je peux vous garantir qu'attendre toute la journée et puis toute la soirée, laisser les autres groupes passer avant vous, c'est un générateur de stress monstrueux. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, pour les décontracter un petit peu, d'accueillir avec un applaudissement extrêmement riche, chaleureux et fourni, le groupe suivant. Ils viennent de Namur, c'est de la musique plutôt acoustique qui nous attend. Mesdames et messieurs, Whispers! La passion, c'est 100 fois croqué dans la pomme. La passion, c'est que dalle dans le curriculum. La passion, c'est le cœur qui bat la mesure. La passion, c'est du génie sous la rature. La passion, car c'est toujours un plan de secours. La passion, pour vivre ce qu'on a manqué, c'est faire ses 35 heures par jour. C'est tous ces rêves qu'on nous promet. La passion, c'est paysan pendant des heures. La passion, pour 5 minutes d'être un seigneur. La passion, c'est soit tout juste, c'est soit toujours. La passion, c'est vivre la nuit sans croire au jour. La passion, c'est dans ta joie, c'est dans ton air. La passion, c'est dans le stylo d'Arthur Baudelaire. La passion, c'est un agneau aux dents de loup. C'est être amant sans être fou. La passion, c'est quelquefois se prendre en faute. La passion, sous le regard de certains autres. Pourtant si vieux s'il est peut-être, de n'avoir jamais pu connaître. La passion, c'est tantôt roi, c'est tantôt chien. La passion, c'est croire en tout, puis en plus rien. C'est une route aux mille chemins. C'est du talent qui se souvient. La passion, on l'éjacule, on la transpire. La passion, car c'est elle qui nous fait tenir. La passion, c'est quand il y a en ma guitare. La passion, comme une femme qui me crie ce soir. La passion, c'est pour le jazz au jeu des cuivres. La passion, c'est ce qu'on n'apprend pas dans les livres. La passion, c'est tes caresses sur le givre. C'est quelquefois cesser de vivre. Merci beaucoup. Merci, thank you. Alors, moi, c'est Margot. Lui, c'est Théo. On vient de Namur et notre duo s'appelle Whispers. La prochaine chanson qu'on va vous chanter, c'est aussi une de nos compositions, mais cette fois-ci, ce sera une chanson en anglais. Et elle s'appelle Calling Me. Par contre, il y a juste un petit problème, c'est que le micro est bloqué en dessous. Merci. Merci. Bravo! Thank you.
feet, and I hear your voice calling me. Walking in the fields, I feel the wind burst following my way, and I hear your voice calling me, calling me, calling me. I'm coming, boy, you know it is so exciting to be lover in the morning. Walking in the grass, I feel the dawn of the morning at my feet tonight. Your voice calling me, calling me, let's get away from here. Do you know somewhere to leave? Calling me, my baby's calling me. Walking in the grass, I feel the dawn of the morning at my feet tonight. Hear your voice calling me. Walking in the fields, I feel the wind burst following my way, and I hear your voice calling me. Calling me, let's get away from here. Do you know somewhere to leave? Calling me, my baby's calling me. Calling me, let's get away from here. Do you know somewhere to leave? Calling me, let's get away from here. Do you know somewhere to leave? Calling me, let's get away from here. Do you know somewhere to leave? Walking in the fields, I feel the wind burst following my way, and I hear your voice calling me, calling me, calling me, calling me, calling me. Merci beaucoup. Merci, thank you. La dernière chanson, c'est une chanson en français. C'est notre dernière composition qu'on a écrite. Donc voilà. J'espère que vous allez apprécier. J'ai pris la chose en main. Tant et tant de fois qu'il semblerait certain qu'on me montre du doigt. Je suis la fille facile, celle qui vaut trois fois rien, la rose sans épines avec qui il y a moyen. Mon lit sert de gare à tous les voyageurs qui voyagent un quart d'heure dans le train du hasard. Pourtant, il ne voit pas que sous mon sein trop frêle se cache un cœur qui se bat pour oublier ses ailes. Soulevée par l'extase, je me suis trop menti. Ce qui n'était qu'une phase est devenu ma vie. À trop fort, c'est l'allure. L'allure n'a plus de sens. J'ai perdu la mesure de mon adolescence.
Je ne suis plus qu'un regard, je ne suis plus qu'un jugement. Si réduire est un art, elles en ont du talent. Toutes ces filles qui m'en veulent d'avoir pris les chemins qui mènent à un destin où je ne suis jamais seule. Pourtant, je sens tout de même quelle ombre du désir. Quand le tempo chavire, l'amour n'est plus le même. Les je t'aime, les j'espère, qu'il m'avait tant promis. Un homme simule aussi, seulement à sa manière. Les premières fois s'éteignent, les passions se succèdent. Les mots doux sont pareils aux mots doux qu'ils précèdent. Et j'apprends ma leçon sur les doigts de la nuit. Un nom qui dit trop oui est un nom qu'on oublie. J'ai pris la chose en main, même si en d'autres mots mon cœur est libertin, mais mon corps est plus sot. Est-ce d'avoir perdu au jeu de l'habitude, si un matin de plus m'offre sa solitude? Thank you, merci. Mesdames et messieurs, un énorme applaudissement pour Whispers. Alors Margot, on se sent mieux maintenant ? Oui, vraiment. Ça fait du bien de passer, parce que c'est vraiment l'attente après, une fois qu'on y est, ça va. Oui, la tension, on ne peut pas l'empêcher de monter, c'est jusqu'au moment où on démarre pour de vrai. Bon, alors, vous vous êtes connus comment ? Alors, la question que tous les ingé-sons sont posées, vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble ? On n'est pas ensemble, on est juste amis. Et c'est déjà ça. C'est pas faute d'avoir essayé. Elle est tenace, si je comprends bien. Comment vous faites pour écrire ? Parce que tu disais tout à l'heure la chanson que nous avons écrite, etc. Comment vous partagez le travail d'écriture ? Ben, en anglais, souvent, on écrit comme ça des phrases qui nous viennent. Et puis, c'est surtout la mélodie, tandis qu'en français, c'est surtout Théo qui écrit les textes. Et voilà, après, on voit comment interpréter, comment mettre en musique. Voilà. Eh bien, voilà. Bon, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Respirez un coup. Ce soir, peut-être mettre une raclée à Georges au kicker. Un commentaire sur cette information. J'en ferai aucun. Les fesses passeront d'eux-mêmes. Par contre, je tenais quand même à remercier l'équipe technique qui a dû supporter toutes mes ennuis de guitare. Donc, Bon, mais écoutez, moi je vais vous laisser repartir en coulisses. On essaye d'enchaîner comme ça. Le dernier qui doit monter sur scène ne devient pas fou de stress à son tour. Mesdames, messieurs, encore un énorme applaudissement, s'il vous plaît, pour Whispers.